Là aujourd'hui c'est une manifestation unitaire entre intérimaires, chômeurs et intermittents afin d'arrêter de diaboliser nos corps de métier. Nous sommes des travailleurs, nous sommes 100 000, nous sommes sur un secteur, le secteur culturel qui est un des seuls à être exportateur, à avoir une balance commerciale positive. On a une offre culturelle en France qui est d'extrêmement haut niveau, donc il y a une vraie richesse au niveau de la culture en France avec ce statut-là qui coûte, les derniers chiffrages qui sont maintenant communément admis, c'est 325 millions de surcoût pour l'UNEDIC. 325 millions, si on le recadre, c'est un centième de ce qu'essaye d'arracher le patronat avec le pacte de responsabilité qui est lui à 35 milliards, avec 100 000 emplois hypothétiques, alors que là les 100 000 y sont de très haut niveau et fonctionnent.